le rideau défensif parisien. Thius renverse l'attaque, on monte bien à la limite. Toulon conserve. Thius board, Guito, c'est de lui que peut venir le danger. Il est en train d'essayer de déborder Rabadan, de s'engouffrer entre Sakhi et Rabadan. Il croise avec Armitage. Les crochets d'Armitage repris par le plaquage de Mostert. Thius board, ça chauffe. Kubriashvili maintenant qui charge et qui est repris à moins de 10 mètres. Thius board, Missouk garde le ballon plaqué par la défense parisienne encore une fois. Ça va ressortir, même ça. Thius board, Guito qui ne contrôle pas ce ballon. Un avantage en cours pour les Toulonnais. La défense parisienne et Monsieur Reynal accordent une pénalité. Pour l'instant, les Toulonnais n'ont pas besoin de la tenter. Messina la joue vite pour lui-même, pour la percussion d'Orioli, stoppé à moins de 2 mètres. Le relais de la Peyre en puissance. Le jeune arrière qui s'arrache, qui est poussé sur le poteau. Sur la ligne du Stade français, cette dernière action du match. À 20 secondes de la sirène. Un ballon du match nul pour les Toulonnais. Féroce bataille au sol. Les Parisiens vont-ils pouvoir mettre les Barbelés sur cette dernière action où les avant-Toulonnais essayent d'y aller en force. Le ballon n'a pas franchi la ligne. C'est clair, c'est net. Mais c'est pas terminé avec un avantage en cours encore. Missouk avec le casque rouge. Laisse Missouk tout seul. Missouk repoussé par la défense parisienne alors que les cloches retentissent. Thius board et capture. Guito allonge la passe pour Armitage qui marque. Armitage qui marque, oui, mais qui marque le blond de la ligne alors qu'on s'échauffe les oreilles et que la transformation pour le match nul va être très très compliquée. La suite de l'aventure Papé-Botta, vous voyez, c'est chaud encore depuis le début du match entre les deux deuxièmes lignes internationaux. Toulon y a cru jusqu'au bout, s'est battu jusqu'au bout alors que Orioli et Sakhi là s'explique aussi. Et qu'il va y avoir une transformation à tenter pour le match nul. Partez, monsieur. Partez. Quelle fin de match. Il va demander la vidéo, a dit monsieur Reynal, j'ai entendu. Monsieur Piraveau va devoir travailler une fois dans ce match pour laisser, qui pourrait permettre aux Toulonnais d'arracher le match nul. Alors, d'abord, on se calme. D'abord, y a-t-il essai? Premièrement, on se calme. Deuxièmement, essai. Quelle va être la question de M. Reynal? Mais d'abord, il va appeler tout le monde. D'abord, il va dire arrêtez capitaine, de vous battre. Écartez-vous, s'il vous plaît. Appelez les capitaines. On est là. Là, ça va bien nous lancer vers jour de rugby. J'avais avantage, j'ai laissé l'avantage. L'avantage est terminé. Je vais demander la vidéo pour voir s'il y a essai. D'accord? C'est la fin du match, donc je ne prendrai pas de sanctions envers vos joueurs. Il n'y a pas grand-chose. Mais il faut garder la maîtrise pendant 80 minutes. Ok? Alors, d'abord, la question. Écoutez bien la question de Monsieur l'arbitre. Avec du temps. Vidéo. Jean-Marie, tu m'entends? Alors, essai ou pas essai, hein? Voilà, tu contrôles que le joueur passe pas en touche et tu contrôles le toucher en but, s'il te plaît. Ok? Donc, on va vérifier ça. Alors, Thomas. Paul Sakhi qui plaque Armitage. Ah, essai incontestable. Voilà. Là, on n'a pas besoin de batailler pendant 3 heures. L'essai va être accordé, Thomas. Ouais, l'essai est accordé. Indéniable, par contre, sur le banc de touche toulonnais, on a demandé à ce que ce soit Maguito qui prenne la transformation. Alors, je ne sais pas si c'est. Ben, je pense que c'est parce qu'il est gaucher, non? D'abord, on va attendre l'addition de l'arbitre, quand même, c'est lui qui compte, même si nos consultants sont très précis et non, mais là, si, efficaces. Là, s'il ne l'accorde pas. Olivier, arrête, Nicolas. Donc, monsieur Piraveau communique. Et c'est accordé. Le score. 19 à 17 après cet essai de Stéphane Armitage. Bernard Laporte sait qu'il va repartir au moins avec le point de bonus défensif du Stade de France, mais il peut aussi repartir avec deux points. Le point, les points du match nul, comme à Bayonne, comme à Castres. Et c'est Matt Guito, l'Australien gaucher, oui, du bord de la touche, du bord de la touche, qui va tenter cette transformation qui vaut un point. 92 sélections chez les Wallabies. Il a buté pour l'Australie. Matt Guito. Oh, ça part bien. Ça part bien. Et ça passe. Toulon arrache le match nul grâce à Matt Guito et en l'absence de Johnny Wilkinson blessé. Stade français 19. Toulon 19. Quel épilogue pour ce match au Stade de France. Ouais, on retiendra vraiment sur ce match les valeurs morales des joueurs du. De Toulon qui sont revenus à chaque fois dans cette partie alors qu'on les croyait distancés.
qui ont fourni un bel effort. Et Bernard Laporte a le sourire aux lèvres pour ses retrouvailles avec le Stade français et le Stade de France. Son équipe a sans doute montré les valeurs qui vont en faire un sérieux, très sérieux candidat au phase finale et au bouclier de Brennus. Ouais.